Quel âge avez-vous ? 17 ans. Quel est votre prénom ? Emma. Avez-vous des problèmes de santé déjà connus ? Non. Enfin, quand j'ai eu mes 15 ans, j'ai fait une crise d'angoisse. Comment c'est arrivé ? Ma mère avait invité tous mes amis. On était une cinquantaine. On s'est regroupés dans le jardin et je me sentais étouffée. Je me suis écroulée par terre. Mon père m'a amenée aux urgences tandis que ma mère s'occupait de faire partir les invités le jour de mon anniversaire. Quand on est arrivé dans les urgences, il y avait un stop. Des frères ou sœurs ? Non. Avez-vous encore de la famille qui pourrait vous aider ? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous héberger ? Non. Je vais vous demander de bien vouloir m'attendre en salle d'attente, le temps que je puisse communiquer quelques informations. Tu as pu récupérer ce qu'on t'a demandé ? Oui. Ok, on file. À toutes les unités, on quitte la zone. Je répète, on quitte la zone. Vous désirez quelque chose, madame ? Non, merci. Allez donc vous occuper des clients. Bien, madame.
Je te conseille vivement de ne pas faire ça. Mec, viens, on se tire. Ça va? Ils t'ont fait mal? C'est bon, j'ai rien. C'était qui? Personne. Ils te voulaient quoi? Rien. Tu t'appelles comment? Emma. T'sais, je peux t'aider. Parle-moi. J'ai pas besoin d'aide. Tu es sûre? Lâche-moi. Tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi? Pour moi? J'ai personne pour moi? Marc! Oui? Dites aux équipes de préparer une chambre pour cette jeune fille. Bien, madame. Préparez-lui un bon bain. Tout de suite, madame. Tu auras besoin de repos. Et tu as aussi besoin de te laver. Tu es dans un état lamentable. Merci. C'est normal. Je vais pas te laisser dans cet état. Voilà pour toi. Tu as besoin de repos. Cette suite est idéale pour toi. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me parler. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure, mais pour l'heure, tu dois dormir. Demain matin, un serveur viendra t'apporter ton petit déjeuner. Je n'ai pas de quoi payer. Tu es mon invité. Tu ne payes pas. À demain. Oui, c'est moi. Code 3945. Mission D910. Très bien. Comment s'est passée l'approche? Comme prévu. Elle a eu pitié. Ça a suffi. Parfait. Je poursuis la mission? C'est toi qui vois. Tu as le temps de profiter du lieu, si tu le souhaites. C'est un ordre? À toi de l'interpréter comme tu veux. Bien. À bientôt. J'espère que tu m'apportes de ma nouvelle Ellie. Elle est ici. Qui ça? Elle. Emma. Où est-elle actuellement? À l'hôtel du casino, dans la chambre 217. A-t-elle fait quelque chose? Elle? Non. Mais des garçons étaient sur le point de la frapper quand je l'ai rencontrée. Tu as vraiment vu ça? Oui. Alors là, j'ai commencé. Commencé? Commencé quoi? Ellie, tu dois faire attention. Emma n'est pas une adolescente comme les autres. Elle a des capacités hors normes. Elle a déjà réussi à avoir ta pitié. Parce que, crois-moi, elle n'allait pas se faire agresser. Chambre 217, tu as dit? Oui. A-t-elle le moyen de sortir de sa chambre? Elle a la carte, oui. Alors il faut de suite envoyer les gardes avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ça? Elle n'est pas là pour rien. Et il est hors de question qu'elle nous échappe à nouveau. Alors dépêche-toi. Sale gosse. Contacte tout de suite l'armée présente au casino et dis-leur immédiatement d'intercepter la personne se trouvant dans la chambre 217 de l'hôtel. Une jeune adolescente blonde âgée de 17 ans. Eh bien, je les appelle de suite. Elle fout bien la merde, cette blonde.
madame. Aucune trace d'elle, ni de ses affaires. Comment ça? Plus rien du tout? Affirmatif. Passez-moi le président Olson, c'est urgent. Monsieur le président, vous aviez raison. Elle n'est plus dans sa chambre. Oui. Oui, je sais, je vous présente mes excuses. Je vais la retrouver. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je peux vous aider. Alors comme ça, tu me fuis, Emma. Je crois que c'est le moment. Le moment de lancer la traque. Je vais te trouver. Et quand je t'aurai trouvé, tout sera fini pour toi. Tout! Ils sont au courant de qui tu es. Sans blague. Emma, tu dois prendre ça au sérieux. Je le prends au sérieux. Si tu prenais vraiment au sérieux, tu n'aurais pas été découverte. Mais je dois bien avouer que sur ce coup, tu ne pouvais pas faire grand-chose. C'est-à-dire? Le président Olson n'est pas loin. Il est même possible qu'il soit ici. Quoi? Dans la ville? Oui. Mais ça veut dire qu'il m'a retrouvé alors? Ce n'est pas sûr, Emma. Son objectif, c'est de te rattraper et de te tuer. Son objectif, c'est de faire de toi un cobaye et un test humain. Notre objectif, c'est de l'arrêter, une bonne fois pour toutes. Seulement, pour l'arrêter, on a besoin de toi. Notre seule issue pour le battre, c'est toi. On ne peut pas échouer cette mission, tu comprends? Quand tu dis la seule issue, c'est moi, tu veux dire quoi par là? On a discuté avec le conseil d'administration. On est tous d'accord sur le mode d'opération. Il faut que tu y ailles en tant qu'APA. Bien sûr, on sera là pour assurer ta sécurité. C'est le seul moyen, je t'assure. Il est hors de question que je vous serve d'appât. C'est clair? Je suis pas votre objet. Ne vois pas les choses comme ça, Emma. Et je dois les voir comment, alors? Hein? Je devrais obéir et fermer ma gueule, c'est ça? Écoute, Emma. Personne ne t'y oblige. Si tu refuses, et ça fait partie de tes droits, on trouvera une nouvelle façon de faire. Et si Olson te fait peur... Il me fait peur. À chaque fois que tu prononces son nom, j'ai l'impression de le voir. Ça me rappelle mon passé et ça me fait peur. Ok, très bien. Dans ce cas... De notre côté, on va chercher une solution. Et pour toi, on va trouver une nouvelle mission. Je dois y aller. Ok, bonne soirée. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Quoi? Ça t'amuse de faire ça? De quoi vous me parlez? Emma, s'il te plaît. On t'a envoyé de nombreux messages et nous t'avons appelé toute la journée, sans réponse. Qu'est-ce que tu as fait? Le lycée nous a appelés pour nous prévenir de ton absence. Ah. Je suis désolée. J'ai éteint mon téléphone et j'ai oublié de le rallumer. Certes, mais ça n'explique pas ton absence au lycée. Oui, j'ai été absente, mais vous ne devez pas vous en faire. Non, mais tu te fous de nous, là! Je te rappelle que tu es mineur et que tu es sous notre responsabilité. Donc tu vas en cours, un point c'est tout. J'étais clair? Tu peux au moins nous dire où est-ce que tu étais? Je suis désolée. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut la punir. De sortie? Encore? Non, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Cause I need you.
Salut. Salut. Comment tu vas? Bien, et toi? Moi, ça va. Mais toi, hier, il s'est passé quoi? Comment ça? Tu m'as dit que t'avais été occupée hier. T'as fait quoi? Oh, j'ai dû m'occuper d'une enfant, d'une amie à ma mère. Ah ouais? Ta mère, elle en a vraiment rien à faire que t'ailles pas en cours. Peut-être. Ça te tente de venir chez moi tout à l'heure pour qu'on puisse continuer l'écriture du film? Ouais, si tu veux. À quelle heure? 18h, ça te tente? Parfait. Tes parents sont bons là? Oui. Aujourd'hui, c'est mardi. Ils travaillent pas l'après-midi. Ok. On ira à l'étage alors. Emma et Léa, je veux bien vous discuter ensemble. Juste essayer de parler moins fort, s'il vous plaît. Merci. Pardon, monsieur. Tu viens directement ou tu dois passer chez toi avant? Non, je viens directement. Y a personne chez moi encore. C'est qui? Tu le connais? Oui. Bonjour Emma, je peux te parler? Seulement toi et moi? Tu peux parler ici. Je te présente mon amie, Léa. Enchantée. De même. Je suis désolée Emma, mais je dois vraiment te parler à toi. Je t'attends. Merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Elle est au courant? Au courant de... De qui je suis et de ce que tu fais pour nous? Non. Bon, tu veux quoi? Emma, je crains que tu aies été repérée. D'après nos renseignements, il est possible que Olson ait trouvé ta trace, y compris ton lycée. Par conséquent, n'est plus en sécurité dans ta ville. Et donc? Emma, tu dois quitter la ville, le plus vite possible. C'est hors de question. Il en est de ta sécurité, Emma. Je leur dis quoi à mes parents? Hein? Ils ne sont pas au courant? Quoi? Que je travaille avec et pour vous? S'il l'avait su, on aurait déjà quitté la ville depuis longtemps. Et puis j'ai ma copine ici. Je ne veux pas partir. Emma, je t'en supplie, réfléchis-y. Léa, tu viens? Au revoir, monsieur. Au revoir. Au fait, il te voulait quoi, cet homme? On peut ne pas en parler. Tu peux pas me le dire. C'est ça? C'est une situation compliquée. Et si je te dis tout, ça sera encore plus compliqué. Y compris pour toi. Cet homme, il t'a fait quelque chose? Non, du tout. C'est le contraire même. Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas te le dire. Ça va, t'en fais pas. Je comprends. On rentre? Oui, merci. C'est quoi ce bordel? Maman? Papa? Tu as pas dit qu'il travaillait pas cet après-midi? Si, il devrait être là. C'est pas normal. Tu crois que tu as été cambriolée? Je sais pas. Emma, viens voir. Il y a un papier avec un message. Si tu veux les retrouver, viens à moi. Signé Olson. Olson? C'est qui Olson? Tu le connais? Oui. Il faut que j'appelle quelqu'un. Bien. Je déclare en ma personne le 57e conseil d'administration de la sécurité et du secret de l'État français ouvert. Ce conseil aura pour sujet la personne de Emma Lebrun, qui est sous notre protection depuis maintenant 6 ans. Et tout d'abord, pour bien commencer cette réunion, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau au sein de notre équipe, Louis Simon et Ewan James. Pour ce faire, Louis, Ewan, je vous présente officiellement Aaron Barry, haut conseiller et actionnaire de l'État français. Il est en charge de la transmission des messages de ce conseil au président de la République. L'homme à droite est Antoine Pérez. Il est en charge de la sécurité de la jeune adolescente. Ensuite, Matteo Smith, Ryan Anderson, Jean Hill, Victor Jackson et Lucas Lambert sont tous des agents secrets comme vous deux. Et je terminerai par ma présentation, Jacques Peter, présidente de ce conseil d'administration et également directrice adjointe des services de renseignement des secrets français. Ceci étant fait, nous pouvons démarrer.
Monsieur Pérez, pourriez-vous, je vous prie, nous donner un bilan de la situation actuelle? Merci, Madame la Présidente. Durant ces dernières 24 heures, la situation n'a fait qu'empirer. Nous savons à présent de sources sûres que le président des Tessers, Monsieur Olson, sait qu'Emma réside dans cette ville. Et avant que ce conseil ne commence, j'ai reçu un appel de Emma m'expliquant que ses parents n'étaient pas chez elle, alors qu'ils auraient dû y être. De plus, l'intérieur de la maison a été saccagé et un mot de Olson a été trouvé. Et qu'indiquait-il ce mot? Monsieur Barry, je vous prierai d'attendre que l'on vous donne la parole. Oui, Madame la Présidente. Reprenez, Monsieur Pérez. Ce mot, pour répondre à votre question, indiquait « Si tu veux retrouver tes parents, viens à moi », signé Olson. Madame la Présidente, Emma n'est plus en sécurité. Nous devons absolument intervenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pérez. Monsieur Barry, vous souhaitez prendre la parole? En effet. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais me rappeler à Monsieur Pérez ici présent que nous avons déjà, par votre biais, demandé à Emma de quitter la ville tant qu'il était encore temps. Ce qu'elle a refusé. Il est évident que cette gamine n'a pas conscience de la gravité des choses. Et je pense, Madame la Présidente, que vous serez d'accord avec moi sur le fait que le système de protection promis par Antoine Pérez est inefficace. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barry. Vos pensées ne sont visiblement pas obsolètes. J'approuve votre avis sur la sécurité de Emma. Ce qui est arrivé aux parents de Emma aurait pu être évité, Monsieur Pérez. Et il est évident qu'une fois que cette mission sera achevée, vous recevrez une sanction commune de la part du conseil d'administration. Et pour le moment, je vous invite tous à proposer une solution pour sortir Emma de cette situation. Nous ne pouvons la laisser seule, et vous le savez tous comme moi que Emma n'attendra pas nos ordres pour récupérer ses parents. Oui, c'est compris. Vous allez les chercher ? Ok. Oui, j'attends. Au revoir. Alors ? Alors, on va venir me chercher. D'ici 10 minutes. Pour aller où ? Je sais pas. Dans un endroit sûr, j'imagine. Je t'accompagne. Non, c'est hors de question. Emma... Non, Léa. Tu vas m'écouter attentivement. Je ne veux pas que tu sois mêlée à cette histoire. Les personnes qui sont chargées de ma protection sont là pour moi. Tu n'as pas à t'en faire. Tu es sûre de toi ? Oui. Et puis... J'ai de quoi répliquer, si jamais. Un silencieux ? Mais pourquoi t'es armée ? Je préfère pas savoir, finalement. Bon, écoute, le principal, c'est que tu sois en sécurité. Donc, si tu te sens en sécurité, je te fais confiance. Je le suis, t'en fais pas. Ok, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, file. Fais attention, hein. Promis. Oui, je dois te laisser. Aaron Barry. T'es fier de toi ? À propos de quoi ? De Emma Lebrun. Ah, j'en étais sûr. Mon service s'occupe très bien de sa sécurité. Tellement bien que les hommes de Olson ont débarqué chez elle et ont kidnappé ses parents. Bravo. On gère la sécurité d'Emma, pas celle de ses parents. Et vous gérez pas la sécurité de sa maison. Donc si je comprends bien, quand elle est pas chez elle, elle est en sécurité. Mais dès qu'elle passe le palier de sa maison, hop, plus de sécu. Ça doit être la sécurisation de nouvelle génération. Pour ça que j'y comprends plus rien, j'imagine. On a fait des choix, et je les assume. Encore heureux. J'espère que tu pourras les assumer au long terme, parce que la sanction va tomber, et crois-moi, je vais m'assurer qu'elle soit bien salée. En avance, désolé. Du moment que vous arrivez pour me chercher, ça me va. Est-ce que Antoine vous a parlé de ce qu'ils vont faire pour mes parents ? Je suis désolé, nous ne pouvons te communiquer cette information. Je t'invite à rentrer dans la voiture. Il faut qu'on parte. Oui, allô ?
Pardon ? C'est une blague ? Madame la Présidente, on a un problème. On va où exactement ? Ne pose pas trop de questions, s'il te plaît. Un problème ? Les gars de la sécu viennent de m'appeler. Ils viennent d'arriver chez Emma. Elle n'est pas là. Aucune trace d'elle. Je crois qu'on est arrivé trop tard. Dans ce cas, on passe au plan d'urgence immédiate. Si les Tessars ont capturé Emma, ce n'est plus qu'une question d'heure. Bien, nous déclenchons le plan d'urgence, ce qui signifie que toutes les missions sont stoppées pour se concentrer sur une seule et même mission. Celle de retrouver saine et sauve Emma, le plus vite possible. Pardon Madame la Présidente, mais pensez-vous vraiment que Monsieur Pérez a encore le droit d'exercer son poste, après tout ce qui vient de se passer ? Notre meilleur élément, la seule et unique personne que nous devons protéger autant que notre famille, vient d'être enlevée. Il me semble que les sanctions devraient tomber maintenant. C'est ignoble de dire ça devant le Conseil. Vous n'êtes pas à ma place, vous ne savez pas ce que c'est de protéger Emma. Vous ne savez rien de la difficulté que c'est. Peut-être, mais je sais que vous êtes incompétent. Regardez la situation telle qu'elle est. Où est-elle là, Emma ? Hein ? Elle est avec vous, peut-être ? Vous êtes un incapable. Oui, et vous, un connard. Oh ! Vous avez vu marquer cours de récréation ici ? Faites preuve tous les deux de maturité, je vous prie. Jusqu'à preuve du contraire, je dirige ce conseil de Monsieur Barry. Alors, je me passerai de vos commentaires. Quant à vous, Monsieur Pérez, au vu des récents événements à votre place, je me ferai tout petit. Les sanctions viendront, je vous le garantis. Mais pour le moment, nous avons autre chose à faire. Je veux que tous vos agents soient sur le coup. Nous devons retrouver Emma au plus vite. C'est une question d'état. Jette ton arme, dépêche-toi. Emma, je suis ravi de te revoir. Plaisir partagé. Je pense sincèrement, tu sais.
Cela fait tellement de temps que je te cherche. Que te voir ici enfin devant moi me rend heureux. Tu es si belle. Tu as grandi si vite. Et vous, n'avez pas changé? Toujours aussi tristement seul, est-ce que je vois? Seul? Tu te trompes, Emma. Je ne suis pas seul. Tu es là. Il aura quand même fallu que je me rende pour que vous puissiez me voir ici. Je crois que nous pouvons être satisfaits. Tu es ici, et en vie, ce qui n'était pas prévu. Et c'est pourtant la meilleure des choses. Profitez bien de ma présence. Elle ne va pas durer. Tu sais ce que je crois. Je crois que tu vas passer une petite nuit de torture et que demain matin, tu me supplieras de te libérer et tu feras ce que je te demanderai. Je ne pensais pas que vous étiez aussi naïf, mais ça ne m'étonne pas pour autant. Ça suffit. Tu vas avoir le temps de penser à tes prochaines actions cette nuit. Du moins, je te souhaite d'y arriver. Et Serre, amenez-la dans la cellule des tortures. En bas. C'est bien ici, un passager est mort. Pas de trace du conducteur, ni de Emma. Allez vérifier dans les bois s'il y a quelqu'un. C'est donc ça la notion de sécurité pour toi? Ferme-la! C'est bien beau de dire ça, mais faudrait un jour que tu assumes tes conneries, tu crois pas? Parce que c'est le moment peut-être. Avec toi c'est jamais le moment visiblement. Je te rappelle ton grade? Je dois vraiment te rappeler que tu n'as aucun pouvoir sur moi. En effet, mon grade ne me permet pas de prendre des décisions. Heureusement pour toi d'ailleurs. Mais j'ai une forte influence sur Jade Peters, ne t'en fais pas. Une forte influence? C'est-à-dire, vous couchez ensemble, c'est ça? Pas besoin d'en arriver là. Tout le monde ne fonctionne pas comme toi, pour obtenir quelque chose. Il faudrait que tu m'expliques un jour où est-ce que tu vas chercher ça. Sûrement dans tes rêves. Profite bien, parce que bientôt tu seras pour mon plus grand plaisir sanctionné. Et dis-moi, si ce n'est plus moi qui me charge de la sécurité d'Emma, comment tu crois qu'elle réagira? Elle se portera déjà mieux, ça c'est sûr. Ferme-la. Sale garce! Bienvenue chez toi. Finalement, c'est peut-être ce que tu aurais mérité, te faire frapper. C'est marrant. J'ai comme une envie de tuer, là. Tu peux toujours essayer de te tuer. Ça nous faciliterait la tâche. Bonne torture. L'heure est grave. Antoine, avez-vous eu des informations concernant Emma? Non, aucune information. On doit impérativement la retrouver. Vous aviez supposé que Olson n'était pas loin. Si c'est réellement le cas, alors il vous faut vous déployer et fouiller les environs. Excusez-moi, si je puis me permettre. Nous pourrions nous rendre dans les environs de l'accident. Si elle était bel et bien dans cette voiture, il vaudrait mieux partir de ce point, non? Il est en ville, pas la peine d'aller chercher ailleurs. Aaron, je suis d'accord avec vous. En ville, l'installation aurait été remarquée. Si Olson n'est pas loin, il s'est soit installé dans un champ, en souterrain, ou alors dans un village. Il y a beaucoup d'espaces abandonnés dans les environs. Il est possible qu'il y soit réfugié avec les Tesser. Alors on fait quoi? Je vous invite à donner l'information aux agents, patrouiller dans les villages aux alentours, et si vous ne trouvez rien, on passera la ville au peigne fin. Très bien. D'accord. Monsieur Olson, je me répète pour la dernière fois, c'est une opération qui risque de lui coûter la vie. Chirurgien, vous faites votre boulot, je fais le mien.
Vous me sortez ce qu'elle a de son corps, un point c'est tout. Quel âge a cette jeune fille ? Emma. Et elle a 17 ans. Vous pensez qu'il serait venu ici ? Dans un village, les mots passent vite, non ? Moi, je ne le pense pas, non. Mais on suit les ordres. Je vois pas en quoi ça aurait été discret de s'installer ici. Regardez, à droite. Les Tessers. Alors c'est là que tu te caches, Olson. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Non, on va se garer plus loin. On attend les renforts. Ça servira à rien d'y aller que nous deux. Ok. Tu pensais aller où exactement ?
C'est ça que vous appelez cellule des tortures ? À vrai dire, on aurait espéré que tu te noies. Mais on avait certainement négligé ton ta façon de réfléchir. Vous pouvez le dire, vous gênez pas. De ? Que je suis intelligente. Eh bien, j'allais le dire jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une bêtise. Il te traite bien ? Et ça, il ? Ton père. Comment tu sais ça ? Parce que je suis intelligente. Alors, il te traite comment ? Très bien. C'est vraiment la vie que tu souhaites ? Il t'a permis de me tutoyer ? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux ? La manipulation, ça ne marche pas sur moi. Tu vas mourir dans quelques minutes, alors profite de ce qui te reste. Cela fait longtemps que j'attends ce moment. 8 années que je te cherche, 8 années que tu me fuis. Sais-tu seulement ce que tu as dans ton corps ? Non ? Tu possèdes une substance faite par mes soins dans l'intention de tester son efficacité. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la récupérer. Cette substance te rend plus forte, plus intelligente, plus imprenable. J'en ai besoin pour créer mon futur projet. Sais-tu ce qu'il est ? Une arme massive. Pourrait me donner la possibilité de réaliser mon plus grand projet sans être dérangé. Et pour récupérer cette substance, j'ai trouvé le meilleur chirurgien possible. Lui seul est capable de t'ouvrir et récupérer la substance sans la modifier. Sais-tu où se trouve cette substance dans ton corps ? Dans ton cerveau. Tu comprends maintenant pourquoi l'opération est dangereuse et pourquoi ceci, je ne tiens pas à ta vie. Je n'ai pas besoin que ton cerveau soit actif. Comprends ? Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? La seule chose qui fait que tu n'es pas encore morte, c'est de voir comment tu gères la pression avec cette substance. J'ai bien envie d'essayer autre chose. Ellie ? Oui ? Des informations sur ces sbires ? Non, aucune. Les tesserres ont bien répondu présent à la porte. Parfait. Alors ton rêve devient réalité. Malebrun, mais une personne morte. Je crois qu'il est maintenant temps d'accueillir notre chirurgien. Vous faites un pas et on tue votre chirurgien. Chers amis, que puis-je pour vous ? Vous allez libérer Emma et ses parents. Ensuite, vous nous laisserez partir. Vous voulez un café avec ? Monsieur Perez, vous croyez vraiment être en position de négocier ? En effet, je vous laisse 10 secondes pour libérer Emma. Et moi, je vous laisse 10 secondes pour me rendre le chirurgien et partir. Ou je la tue. Ne bouge pas ! Relâchez-la ou je vous mets une balle entre les deux yeux. Aaron, tu es sûr de ne pas vouloir leur dire la vérité avant ? Chercher mes parents. On les a déjà. Pardon ? On les a trouvés en venant te chercher, dans une cellule au-dessus. On les a fait rentrer à la base avant que ce ne soit le chaos. On sort comment d'ici ? Par la mer. Le village est cerné. C'est une issue de secours construite en catastrophe. Ils n'ont même pas eu le temps de la recouvrir. On l'aperçoit depuis le ciel. Plus vite on sera sorti, plus on aura de chance de ne pas être suivi. On fait le tour de la côte, on nous attend de l'autre côté. Ok.
Ça va, tout se passe bien? Super. Tu es sûr? Oui, deux jet ski. Ok, Louis Simon Pérez, on est suivi par deux jet ski. Tiens, Emma, prends mon arme. Il faut qu'on assure leur sécurité derrière eux. Je m'en charge ou tu y vas? Je vais pas gérer les retours en arrière. Ok, je m'en charge. Ils sont deux, monsieur Pérez. Oui, je vois ça. Continuez, au plus vite. Non ! Simon pour Pérez, je répète. Simon pour Pérez. Simon pour Aaron, je crois qu'on a perdu Pérez. Emma, ça va? Emma? On n'est plus suivi. Bravo! Antoine, monte! Heureusement que tu es là. Ne t'en fais pas, tout va bien. Ils ne sont plus suivis. Oui, visiblement, Emma s'est occupée de ce qu'il restait. Vous pensez qu'il s'en est sorti? Je sais pas. Antoine? Emma, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, c'est pas passé loin. Je vous laisse, je vais dehors. Alors? Alors quoi? Tu crois qu'on a oublié ce Caddy Olson? Caddy Olson. Rien à relever, madame. Antoine, Caddy Olson. Il a demandé à Aaron s'il ne préfère pas nous dire la vérité avant de... mourir, j'imagine. Aaron, de quoi Olson a parlé? Écoutez, j'ignore ce que Perez a cru comprendre, mais je n'ai point entendu ceci. C'est faux. Il a bien parlé de ça. Et là, vous mentez. Écoutez, je crois que c'est un malentendu et je... Répondez, de quoi parle-t-il? Dernière chance. Je vous ai trahi. Que Olson est ici, si Olson a su où se trouvait Emma, c'est parce que je lui ai dit. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille en discrétion pour Olson. Il me propose en échange une sécurité complète pour ma famille, et une issue de secours au cas où ça tournerait mal. Je n'ai pas fait ça contre vous. Ni contre toi, Emma. Il faut comprendre... Il y a 6 ans, j'ai perdu mes grands-parents, parce qu'une mission s'était mal terminée, et que quelqu'un s'était chargé de venger les victimes. Alors j'ai eu peur que ça recommence, que ma famille soit victime de quelque chose alors qu'elle n'y est pour rien. Je sais que vous allez trouver ça facile, mais c'est pas une excuse, et je cherche pas à me faire pardonner. Je voulais juste expliquer mon acte, juste pour vous dire que je suis désolé. Désolé pour ce qui s'est passé, et pour ce qui va se passer. Espèce de pourriture, t'es qu'un connard. Je vous en supplie. Vous n'êtes plus un élément de confiance. Moi qui croyais en vous, me voilà bien déçu. Je peux sortir si vous voulez. Tant pis si je me fais canarder. Servirai de diversion, s'il vous plaît.
Votre famille n'a plus rien à craindre désormais. Vous voyez quelqu'un ? Non. On sort ? Je passe au premier. Ok, on bouge pas. Quoi ? Non, rien. On fait quoi maintenant ? On fait quoi pour Olson ? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on voit avec le conseil. Le conseil ? Qui vous dit qu'il n'y a pas encore une top dans votre conseil ? Personne d'autre ne l'est, crois-moi. Désolée de ce qui vous est arrivé. À vrai dire, c'est nous qui nous excusons. Comment ça ? On nous a tout raconté. Tout. Si tu savais le mal que cela nous a fait d'apprendre tout ça. De savoir qu'on ne connaissait pas notre fille ni son passé. Tu es notre fille unique, notre bijou, et on ne savait rien. Rien de ce que tu endurais. Comment tu as fait tout ce temps, pour tout garder ? Même Léa n'était pas au courant. Parce qu'il y a 8 ans, on m'a juré que si personne de plus ne savait ce qui en était, il n'y aurait pas de danger pour vous. Ils vous ont fait du mal ? Non. À vrai dire, ils ne nous ont pas touchés. On ne les a pas vus. Quoi ? Je comprends pas. Personne ne nous a enlevés. C'est nous qui sommes partis. Mais comment ça ? L'autre soir, tu es rentré tard comme si de rien n'était. Évidemment, sans savoir ce que tu vivais, on a cru que... Bref, on voulait trouver une punition pour que tu puisses comprendre. Alors on... On a serré quelques affaires, on est parti. Ça devait durer seulement une journée. Et la maison retournée ? Le mot sur la table ? On nous a raconté que les... tes sœurs... Oui. Que les tes sœurs étaient venues pour nous chercher. Ne nous ayant pas trouvés, ils ont tout retourné. Et placer un mot pour faire croire à un enlèvement, ce qui n'était pas le cas. Emma, si l'autre jour on attendait des excuses de ta part, je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous de le faire. Alors, pardon. Pardon de ne pas avoir fait attention à toi, de ne pas t'avoir posé plus de questions. Même si vous l'aviez fait, je n'aurais rien dit. Pourquoi ? On était parents ? Parce que je vous aime, tous. Parce que je tiens à vous. Et je veux pas que mon passé devienne notre futur. Je voulais juste éviter que vous soyez mêlés à tout ça. Tout ce que je voulais, c'est que chacun puisse vivre sans être impacté par moi. Mais Emma, on est tes parents. C'est normal d'être impacté par toi. Tu es notre fille. On se doit de tout faire pour toi. Je sais. Mais j'ai fait un choix. Et je m'y suis tenue. Si tu savais comment... Comment ça a été dur de te mentir. De ne pas te voir plus souvent. Je suis désolée si je t'ai fait souffrir. Tu sais que je t'en veux. Je t'en veux de ne pas m'avoir fait confiance. Et j'ai cru en toi, et toi non. C'est pas une histoire de confiance. Alors c'est quoi ? Léa... Ne t'en fais pas. Elle reviendra quand elle aura digéré la nouvelle. Tu t'en doutais ? Que Aaron était une taupe ? Non. Je m'en veux de pas l'avoir vu et dire qu'il faisait partie des meilleurs agents. Je l'ai jamais apprécié, mais là, je dois avouer que j'ai été choqué. Vraiment. Tu n'as pas encore évoqué le conseil ? Non. Il n'y en aura plus désormais. Tu n'as plus confiance ?
La seule personne en qui j'ai confiance désormais, c'est toi. Qui nous dit qu'il n'y a pas une autre taupe? La seule façon d'être sûr que les prochaines opérations se passeront bien, c'est d'éviter d'en parler au conseil. Tu penses qu'à deux, on y arrivera à sauver Emma? Sauver Emma, je l'espère. Mais que peut être l'objectif numéro un? C'est de tuer Olson. Si on tue Olson, Emma sera en sécurité. Tant que Olson est en vie, alors Emma est en danger. Alors on fait comment? On va finir ce qu'on a commencé. À le faire tomber, autant le faire jusqu'au bout. On fait quoi du coup? On attend les ordres. Merde! Quoi? Il y a Léa en face. Elle nous a sûrement vus. Alors partons maintenant. Non! Si on part, elle va aller voir mes parents pour leur dire. Et là, c'est fichu. Tu as raison. On n'a pas le choix. On doit la prendre. Tu fais quoi là? On va se balader. Tu veux venir? Oui. Monte derrière. Et on va où? Je sais pas encore. Ça a l'air bien. Tu fais attention à toi. On s'en tient à ce qu'on a dit. Oui, vous aussi faites attention. Fais quoi là? Emma, tu fais quoi? T'occupe, monte à l'avant. Non, attendez, elle fait quoi là? Tu montes à l'avant, c'est un ordre. Elle est rentrée? Oui. Parfait, on attend encore quelques minutes. Ok. Attends quoi? On est où, là? Tu sais conduire, Léa? Non. Parfait, tu sers à rien. Oui, j'avais remarqué, oui. On attend encore quelques instants, prépare-toi. Dépose tes bijoux si tu en as. C'est bon? Oui. Alors entre. Il t'attend. Ok. On a établi un plan. Dites-moi. On sait que Olson et ses amis à lui ont participé à l'enlèvement du président de la République il y a 3 ans. Pardon? On a découvert ça il y a 2 mois quand Emma est passée à l'hôpital.
Elle a récupéré des fichiers compromettants sur lui et ses amis. D'accord, mais en quoi ça va nous aider? Je vous rappelle qu'on veut le tuer, pas le faire chanter. En effet, garde cette information pour plus tard. Avant qu'on passe à la suite, sache que j'ai demandé à Emma avant qu'elle m'a donné son accord. Et c'est censé me rassurer? Te faire relativiser, disons. Je vais me rendre à Olson. Pardon? Bon, ça a pas marché. Mais évidemment, il veut la tuer, tu le sais, ça? Jade. Mais quoi? Et puis tu veux te rendre, Emma? Mais on sait même pas où il est. Et en tout cas, sûrement plus dans son bunker. Tu vois la zone désaffectée dans l'est? Oui, et... Attends, c'est la base des Tesserres, ça. Tu crois vraiment qu'il est là-bas? Un de nos agents l'a suivi. Donc oui, il est là-bas. Et tiens-toi bien, parce que pour être plus précis, Emma ne va pas se rendre. On va la livrer. Avec un rendez-vous avec Olson. Je rêve, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. C'est le seul moyen de terminer tout ça. Mais Emma, tu es en train de me dire que de toute la sécurité qu'on a mis en place sur toi depuis 8 années n'aura servi qu'à déboucher sur une livraison de toi à Olson? Oui, c'est une livraison, mais pas celle qu'il croit. C'est-à-dire, explique-moi parce que, ôte-moi d'un doute, tu ne pourras pas être armé et au courant de ça. Oui. Oui, parfait. Et donc, tu fais comment s'il s'apprête à t'ouvrir le cerveau? C'est là qu'on intervient. Toi et moi. Fabuleux. Et donc tu crois que tu vas ramener la cavalerie discrètement dans une base hautement sécurisée? Ah, oui, c'est le coup du siècle. Y'a pas à dire. Qui a parlé de cavalerie? J'ai dit toi et moi, c'est tout. Formidable. Et donc explique-moi, on va faire quoi, nous deux? Sauver le monde? Eh bien, disons qu'on va accéder à la salle des contrôles et qu'on va parler de loin à Olson. Formidable. Et tu y vas à vélo, à la salle? Ce point-là est... peut-être un peu plus dramatique, parce que la salle est au fin fond de la base. Et le seul moyen d'y accéder, c'est par les tunnels de sécurité. Autrement dit, on va devoir les traverser, un de chaque côté, tout en étant, je le pense, coursé. Et une fois que le contact sera opérationnel, on va lui dire quoi? S'il arrive quoi que ce soit à Emma, tout sera révélé. Et dans le cas contraire? Ça servira de diversion. De diversion. Pendant ce temps, Emma aura largement les opportunités de le tuer. Voilà, voilà. C'est du suicide. Oui, en même temps, j'y peux rien si Olson fuit soit dans un bunker, soit dans une base ultra sécurisée. Certes. Bonsoir, Emma. Pourquoi ce lieu? Pour ses couleurs, l'or, la fortune, ma fortune, et le rouge, le sang, ton sang. Et si on s'épargnait toute cette poésie? Tu es vraiment venu te livrer. Ça vous étonne? Beaucoup, oui. J'aurais tendance à croire que tu as quelque chose derrière la tête. Mais j'aimerais voir, ce soir, la fin d'une traque. Tout ce que j'ai dépensé pour te retrouver. En réfléchissant, je me suis rendu compte à quel point récupérer le sérum présent dans ton crâne ne m'était pas suffisant. Je me suis dit, pourquoi pas changer les plans? Pourquoi pas? Descends. Je fais quoi? Te cache dans la forêt. Tu as une montre? Parfait. Si d'ici une heure, on n'est pas revenu te chercher, c'est que ça a mal tourné. Je fais quoi dans ce cas? Tu appelles les renforts. Ok, le 17 donc. Ah oui, pas ce genre de renfort. Tiens, prends ça. Charles André? Oui, tu l'appelles en disant que c'est de ma part. Il comprendra vite. Ok. Allez, cache-toi. Jade, tu me reçois? 5 sur 5. Parfait. Jade, tu as du mouvement de ton côté? Oui, toi aussi? Oui, c'est parti, bonne chance. Bonne chance à toi aussi.
changer les plans ? Oui. Au lieu de te tuer, je pourrais faire de toi mon arme. Mais j'ai un petit doute sur ta force. Bravo! Bravo! Vous avez pensé au fait que j'aurais probablement une arme sur moi? À vrai dire, oui. Mais le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que j'ai bien compté. Tu n'as plus de balle ni de chargeur sur toi. Ça marche, hein? Vous êtes sûr de ça? Essaie par toi-même. Moi qui avais des doutes sur ta force et ton intelligence, je n'en ai plus désormais. Mais je dois vous avouer qu'il y a bien quelque chose qui m'étonne. Quoi donc ? Où sont tes sbires ? Que font-ils ? Jade, tu me reçois ? Oui, je te reçois. Ok, à trois on sort, d'accord ? Reçu. Allez, on se dépêche avant qu'il ne soit trop tard. T'aurais-t-il vraiment abandonné ? Ou ont-ils cru que tu sortirais vivant d'ici ?
Si vous ne les voyez ni les entendez, c'est qu'ils ne sont pas là. J'ai tendance à y croire. C'est pas à cette vitesse qu'on va arriver à son secours à temps. C'est sûr que les échelles, c'était pas forcément le meilleur plan. Regarde, ils sont là! Emma va bien? Elle a l'air, oui. Bien. Prête? Oh! Je n'ai pas besoin de faire la présentation. Pratique. Bien. Ne perdons pas de temps sur les cérémonies. Chirurgien, si tout est bon pour vous. Il me faut l'anesthésie. Non. Pardon? Pas besoin. Quoi? Mais je... Je m'en fous de sa vie. Ce que je veux, c'est ce qu'elle a dans le crâne. C'est clair, là? D'accord. Ne la touchez pas. C'est vrai que la présence de Perez manquait. Alors quoi? Maintenant la sécurité se fait à distance? On va peut-être arrêter de jouer, Olson, non? Ça dépend. C'est quoi votre motivation? L'enlèveront du président, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Un terrible fait. Ok, alors je vais être clair. Cet événement a été commandité par plusieurs personnes dont leur identité est inconnue. Et qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Ne faites pas l'innocent, vous en faisiez partie. Bien sûr, et puis quoi encore? Votre ami docteur, il n'avait pas trouvé mieux que de cacher les plans de votre cou dans son cabinet. Dommage, hein? C'est une blague de très mauvais goût. Arrêtez. Vous savez comme moi que tout est vrai et que nous détenons toutes les preuves contre vous. Et vos amis. C'est fini, Olson. Tout est fini. Bon, Antoine, ce n'est que le début. Par contre, vous, c'est votre fin. Et je vous le confirme. Ce que j'ai créé ne va pas s'arrêter là. Tout ce qu'on crée ne s'évade comme ça dans la nature, Monsieur Perez. Il laisse toujours des traces, des causes ou des conséquences. Après tout, c'est humain, n'est-ce pas? Construire, déconstruire, tuer, survivre. Tout le monde fait ainsi. Alors la chaîne ne se déconstruira pas. Quand on crée le mal, on ne peut pas faire machine arrière. Ça en devient naturel. On arrive à s'y perdre. Pourtant, c'est bien fini. Vraiment fini. Fais gaffe, bouge pas. Jade, baissez votre arme. Simon, qu'est-ce que vous faites là? Baissez votre arme immédiatement. Faites ce que je vous dis, tout de suite. Lâche ton arme. Simon, vous faites quoi, là? J'aide mon père. Non. Ça ne peut pas être fini. Pas comme ça. Ne me dites pas que Olson est votre père. Si, et je compte bien finir ce qu'il a commencé. Louis, je vous en prie. Ferme ta gueule, vous la bouclez tous les deux, je veux pas vous entendre. Oh,
Emma, attrape! Louis, arrêtez ça, je vous en prie. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Oh, pose ça. Léa! Léa, fais-moi un signe si tu m'entends. Emma! Comment elle va? Emma? Elle est morte. Je peux? Il faut que tu manges, Gemma. Tu as besoin de reprendre des forces. Je sais que c'est dur, d'autant plus que c'est récent, et je vais te choquer. Mais plus le temps passera, plus tu te feras à l'idée. Ça ira mieux plus tard. C'est une phase dure, mais c'est la vie. Alors ça y est, c'en est fini avec Coulson. J'ai bien l'impression que oui. Après tout ce temps, 8 années. Avec tout ce qui s'est passé durant cette mission, je vais devoir faire un rapport au gouvernement. Tu parles de Aaron? De tout. De la trahison de Aaron, mais aussi de celle de Louis Simon et de toi. C'est maintenant qu'elle tombe, la sanction? Non, il n'y aura pas de sanction. Pourquoi ça? La mission était de veiller à la sécurité de Emma. L'objectif étant de la maintenir en vie, saine et sauve. Tant que Olson n'était pas exécuté. La mission étant achevée et Emma étant saine et sauve, j'en conclus que la mission a été réussie. Et cela grâce à toi. Tu peux être fier de toi. Merci, je ne m'y attendais pas. Je pensais que... Tu as réussi. On ne va pas regarder le passé. Je regarde le présent et ça me suffit. Merci, merci énormément. J'ai jamais compris pourquoi tu étais aussi généreuse avec moi. Je ne suis pas généreuse avec toi. C'est bien plus que de la générosité. Tu as été là quand j'avais besoin de quelqu'un. C'est juste un retour des choses. Merci, Emma. Merci d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce que vous auriez fait sans moi? Je ne sais pas. Maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas. C'est clair? Justement. Quand on vit son enfance sous la protection de l'État, on en apprend beaucoup de choses. La première chose que j'ai fini par apprendre, c'est le jeu.
Il aide bien facilement d'interpréter une identité qui paraît être la nôtre, sans l'être véritablement. Une fois qu'on a construit quelque chose de crédible, on évolue dans la peau du personnage. On tombe amoureux en même temps que le personnage. On réagit comme le personnage réagirait s'il était réel. On joue le rôle d'une adolescente. Une adolescente en faille avec ses parents. Emma ! Emma, on n'a pas terminé. On brise l'adolescence tout entière. Mais pour que ça reste le plus crédible possible et qu'on soit à la perfection, la fille qu'ils pensent avoir élevée depuis le début, on étudie toute leur vie. Et pour terminer, on utilise les amis du personnage qui sont nos ennemis. On les manipule. Entrez. Salut Emma, ça va ? On appelle ça le double jeu. Hurt the ones who love you, and they will hurt you right back. So sing a-